Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour Bob et Bobby. Bienvenue sur les fous du volant. T'es un fou du volant ou pas? Dans l'âme, au fond de toi. Pour toi-même. Oui, oui, on aime. Pour faire du stock car, il faut être un peu fada. Justement, en parlant de stock car, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, les règles brièvement? Voilà. Alors à la base, on fait partie d'une fédération. On est la fédération des sports mécaniques originaux. Le stock car a été importé dans les années 60, provenance des Amériques. Et la France est partagée en deux zones, la zone nord et la zone sud. Donc nous, au niveau du Stock Car Club du Rousset, on fait partie de la zone sud. Il faut savoir que dans la zone sud, il y a 28 clubs qui sont affiliés à la fédération. Le principe du Stock Car, il y a deux courses qui vont se faire en une course. Nous avons un classement vitesse. Le pilote vitesse doit faire le plus de tours de piste possible. Toutes les voitures qu'il y a devant, il doit les pousser, il doit aller éliminer son adversaire et marquer le plus de points possible. Pendant 4 minutes, chaque pilote fait 4 manches de 4 minutes. Et derrière, celui qui a fait le plus de tours en fin de journée, on fait un cumul et on fait un classement général. Et le classement spectacle, c'est le pilote qui aura effectué au cours de ces 4 manches de 4 minutes le plus de tonneaux possible avec sa voiture. Moi, je suis pilote spectacle, donc je prends de la petite voiture qui va se déformer, qui va s'arrondir pour essayer de faire des tonneaux. Justement, Mathieu, qu'est-ce qui différencie de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, ton véhicule équipé pour faire des catégories cascades? Est-ce qu'on peut faire un petit tour? Bien sûr, venez, approchez-vous, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est une 104, un véhicule... Les puristes, une berline, les collectionneurs vont te haïr. Ils vont s'arracher les cheveux. Non, alors c'est complètement faux. Ils vont pas me haïr parce que s'il reste des 104, on leur donne de la valeur puisque nous, on en sort du circuit. Oh, donc on valorise le véhicule. Ça va faire 29 ans que je suis pilote de stock car. J'ai déjà cassé 314 104. Putain. J'ai toujours roulé avec des 104. J'en casse une quinzaine par an. Et on se fait plaisir. Un véhicule de stock car, au niveau sécurité, on doit enlever tout ce qui est tranchant. Il faut qu'à l'intérieur, il y ait aucun élément qui puisse blesser le pilote. Ensuite, on met un arceau pour rigidifier la caisse. Et pour la sécurité du pilote, on met un étai derrière le siège pour protéger la tête parce que pendant le tonneau, on peut très bien avoir un véhicule qui vient nous taper. Chaque club a une couleur spécifique au niveau de la peinture. Vive la patrie, Bobby! Vive la France! Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que la semaine dernière a eu lieu la Coupe de France et ben, j'ai eu la chance, avec mes collègues, on a tous roulé et j'ai fini champion de la coupe de France. On roulait à Mulhouse. Donc c'est pour ça que ma voiture a le tricolore aujourd'hui. Sinon, nos véhicules, ils sont comme les voitures qu'il y a juste derrière vous là-bas, Bob et Bobby. Retournez-vous, regardez, il y a deux voitures jaunes et noires. Chaque fois que vous verrez des véhicules jaunes et noirs, ce sera le Stock Car Club du Rousset. Le club a été créé en 1992. J'ai repris l'association en 2014. Quand j'ai repris l'association, on était 7 membres et 3 pilotes. Aujourd'hui, on est 10 pilotes et 43 licenciés. La passion, donc, de la folie, tout ce qu'on aime, Bobby. Hein. Ah, c'est ça, c'est ça. Et bientôt, on va avoir deux fidèles de plus. Et je vois des gros sourires. Oui. Après, l'homme qui valait 3 milliards, l'homme qui roulait sur 3 roues. Qu'est-ce qu'il dit, James? Ça marche, on s'est bien amusé à la première manche. Ouais. Et là, on va attaquer une autre manche pour voir un peu ce que ça donne. T'es dans quel état d'esprit là pour cette deuxième manche? Content, serein. Ouais. On verra bien ce que ça fait. Allez, les fous du volant, croise les doigts pour toi. Merci. Ciao. Allez, donc, on va partir pour cette manche.
Bon, alors, contrairement à ce que pensent les gens, le stock-car n'est vraiment pas onéreux. Les véhicules, ce sont des véhicules de récupération qu'on nous donne, qu'on récupère, des véhicules qui ne passent plus le contrôle technique, qui sont destinés à la casse. Et nous, on leur donne une deuxième et dernière vie avant qu'elles finissent vraiment au broyeur. En fait, c'est des voitures, voilà. Elles ont eu une mort tranquille et vous, vous les achevez brutalement. Oui. Alors, on les achève, mais il faut que le véhicule soit tournant parce que bien si sûr. Le véhicule ne fonctionne pas, eh ben, on passe des heures en préparation mécanique justement pour pouvoir rouler. Tout à l'heure, je parlais des renforts à l'intérieur, donc pour protéger le pilote. Et après, nous avons des renforts sur le devant qui nous permettent de nous pousser entre nous, de protéger le radiateur et lorsqu'on fait des tonneaux, de ne pas venir écraser les radiateurs et comme ça, le moteur peut refroidir normalement. Regardez, on a beaucoup de spectateurs. Retournez-vous en l'air. Ça vient, quand on dit que les spectateurs viennent de toute la France, ils viennent même des airs maintenant. Exprès pour l'événement. C'est ce qu'on appelle survoler l'événement. Et du coup, en parlant de visiteurs, cet événement que tu organises, Mathieu, chaque année, il réunit combien de personnes en moyenne? Combien de visiteurs par an? Alors, au niveau du stock-car, on a une petite notoriété, mais nous, sur la commune de Précieux, il faut savoir que tous les deuxièmes week-ends de juin, il y aura une course de stock-car à Précieux. Au niveau de l'affluence, allez, quand on arrive à 800 000 spectateurs, c'est déjà bien. Et l'année de la canicule, on est monté à 1500 spectateurs. Ouais, c'est joli. Hein. Tu peux nous expliquer un peu, Mathieu, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Est-ce qu'il y a une trépas? Est-ce qu'il y a une admission directe? Est-ce qu'il y a des combis filetés, etc., etc. Alors, non, il n'y a aucune préparation particulière au niveau des moteurs. Ce sont vraiment des moteurs d'origine qu'on vient mettre, qu'on laisse en lieu et place. Je vais vous montrer. Vous aurez la preuve à l'appui. Hop. C'est bien un moteur de 104. Est-ce que j'ai le droit de courir avec une 104 avec un moteur 306 par exemple? Diesel. Ça, c'est possible, ouais. Mais bon courage pour adapter. Ah, t'inquiète. Voilà. Au niveau préparation, on met juste une grille sur le carbu pour éviter d'absorber de la poussière, ce qui nous sert de filtre à air. Et puis après, les renforts pour éviter, comme je vous disais tout à l'heure, de plier la caisse et puis de casser le radiateur. Comme ça, ça donne une espérance de vie un peu plus grande. Que du bonheur, hein. On a bien kiffé, on espère que les abonnés ont kiffé aussi, hein, Bobby. Ah bah oui, surtout que là, en fait, on a un champion de France, mine de rien. Ah. Il fait le modeste comme ça. Modeste, là, mais champion de France, hein. C'est ça, Mathieu, hein. Oui, 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 on y est arrivé, c'est bien. Ouais, il est modeste, mais c'est un champion. Et tu sais ce que c'est, Mathieu, les fous du volant? Eh ben, c'est du fun, de la passion, et puis de la folie, non? C'est comme ça qu'on dit, Bobby? Ouais, c'est bien comme ça. Allez, Mathieu, ciao. Allez, à bientôt, merci.